Salut les gens, c'est chaud et je suis toujours prêt pour tester des nouveaux niveaux, en tout cas par vous et la communauté. Et d'ailleurs, je suis assez content d'en faire. Hein. C'est même pas assez content, c'est même. Je suis super content d'en faire. Au moins, ça me permet de montrer un peu mon skill sur pas mal de jeux. Et notamment, justement, Mario Maker. Alors, du coup, il y a Rianou, GK, qui m'a envoyé un commentaire me demandant en tout cas de tester un niveau. Donc, on va en chercher un tout de suite. C'est parti. C'est parti, recherche du stage, et qui s'appelle niveau M, M moyen, je sais pas, on va voir ce que c'est, en tout cas c'est cool, merci Brianou pour avoir fait ce niveau, et c'est parti, oula, qu'est-ce que, voilà, au moins j'ai pu faire le saut, et un champ, oh merde. Ok, je me fais pas avoir, deuxième vie, c'est parti. Ouais, c'est quoi ces blocs à droite? Il va y avoir un piège à mon avis. Ok. Oh putain! Ok, c'est possible? Ah putain! Oh purée, non, un niveau de sadisme, au secours. Là, ça va vraiment être nécessaire. Attends, y'a quoi? Y'a quoi dans les autres à côté? D'accord, une porte cachée. Qui va sûrement me faire revenir au début du niveau. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, mince. En fait, y'a pas de sortie. Ok, super, donc... Si je comprends bien, la première entrée permet... Il y avait rien à côté d'ailleurs, oui, sur les tuyaux à côté, il devait rien avoir. Alors... On va continuer de se faire toucher. Voilà. Et on remonte. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh mince, ok, donc il y a des blocs. Il faut que je me dépêche donc en le faisant. Est-ce que je vais être un super player, ça j'en sais rien. Ah purée, mais il faut aller encore plus vite que ça. Ok, ok, je comprends. Pas de complications. Est-ce qu'il y a une possibilité de passer sans se faire toucher par, par les boules de feu? Ça, je sais pas encore. Va falloir que je teste. Donc, ce que je vais faire, c'est que comme je peux transporter le bloc P, on va juste le poser ici. Voilà. Et on va faire un saut. Non, 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 Mario, s'il te plaît, ne prends pas ça. Super. Et ça re... Ok, yay. Ah, je pense avoir compris. Je pense avoir compris le truc. En fait, si je délaye l'utilisation du bloc P, ça peut peut-être m'aider. Ça peut peut-être justement me... Je suis un peu con de faire un saut inutile. Ça marchait très bien. Si je délaye juste ça, hop. Voilà, si je fais juste ça, ça devrait peut-être aller. Non! Oh non! Oh le trip! Oh le trip! D'accord, ok. Ok, réussi. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a écrit? 180... Si je vais là, y'a rien. Non, ok, y'a rien du tout. 195. Voilà, pourquoi 195? Yannou, est-ce que tu peux m'envoyer dans les commentaires pourquoi tu as écrit ce chiffre?
Attends, et là, il y a quoi? Oh oh. Un trip? Un piège? Voilà, j'en étais sûr. What? Ah, ok! D'accord. Donc, il y a une clé parmi tout ça. Une porte. Alors, je sens que la deuxième, ça va être le piège. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Donc, on va ouvrir la première. Moi et ma chance légendaire. Ah, bon sang! Non, c'était pas ça. Donc, je vais devoir mourir. Allez, 195. Je sais pas ce chiffre. Ah, mince, mince, mince! Brianou, t'as oublié de faire un truc! Alors. Bam! Parfait. Donc j'ai la clé. Donc je doute que ça soit le deuxième. Si c'est le deuxième, je sens que ça va être un piège. On va le faire quand même pour rigoler. Voilà, qu'est-ce que je disais. On retourne au tout début. Mais au moins avec ça de retirer. Ouais, bah maintenant qu'est-ce que je fais. Parce qu'il y a quatre clés et je crois en avoir vu qu'une seule. À moins que si on retourne ici, la clé va pouvoir réapparaître. Non, c'est pas le cas. Bon alors, dans quelle porte faut que j'aille? J'imagine que... Ah mais attends, non, en fait, il y a peut-être raison sur le fait. Il fallait que j'aille sur la droite, dans le second truc. Ah, que j'aille comme ça. Et que je fasse ça pour récupérer la seconde clé. Et cette clé-là, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle menait à la troisième porte, je crois, ici. Qui permettait d'aller ici. Donc si je remonte, qu'est-ce que ça fait exactement? C'est H-O-W-W, show, yay, it's me! Nous pouvons réussir, nous pouvons le réussir, maximum de vie! Et j'ai peut-être évité... j'ai peut-être pris les pièces au lieu de... J'ai peut-être pris les pièces au lieu de prendre les points, mais on s'en fiche. On a réussi le niveau. Merci Brianou d'avoir réalisé ce niveau. Vraiment cool à faire. Un peu compliqué au début, puis une fois que tu comprends ce qu'il faut faire, en fait c'est tout simple. C'est clairement tout simple et tout con. Donc en tout cas, merci d'avoir fait ce niveau-là, une 25. On peut peut-être faire mieux, je pense. On va le réessayer un de ces jours. Bref, vous inquiétez pas. En tout cas, n'hésitez pas à envoyer vos créations, envoyer vos idées, vos challenges, tout, n'importe quoi. Je m'en fiche. Il y a le Discord, il y a le Twitter, il y a le Facebook. Il y a même dans les commentaires si vous le souhaitez. En tout cas, je vous attends avec impatience. Je suis chaud et on se retrouve plus tard.